et de pouvoir parler de la situation effectivement de l'eau en Palestine. C'est un sujet que moi j'ai voulu porter dans le cadre de ma mission, on va dire ça comme ça, en tout cas de mon mandat de député européen. Je voudrais simplement avoir une pensée d'abord, une double pensée. La première pensée, c'est évidemment la France, Paris a été touchée. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie que le terrorisme, d'une manière générale, fait des milliers de victimes en dehors de la capitale de la France. Et que nous ne devons pas avoir sur ce sujet-là une approche nationaliste, une approche, j'allais dire, occidentalisée, parce que les premières des victimes sont d'abord dans les pays du Sud. La deuxième remarque que je souhaite faire, et j'en ferai pas plus sur ce sujet-là, c'est que voir certains dirigeants politiques instrumentaliser la question du terrorisme, de la souffrance et de la mort à des fins de discrimination de population est une honte absolue. C'est une ignominie. Et je tiens à dire que ceux qui ont osé parler de la question des réfugiés qui viennent en Europe pour fuir justement le quotidien que nous avons de manière exceptionnelle et qui nous apparaît insupportable alors qu'il est exceptionnel, et qui eux fuient cette situation qui pour eux est un quotidien d'horreur, de guerre, de conditions inhumaines de vie, et les mettre, les montrer du doigt, c'est tout simplement confondre les bourreaux et les victimes. Ces gens qui fuient la misère, fuient la guerre, fuient la souffrance, et que nous n'ayons pas les yeux ni les mots pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir dire quelle est leur souffrance, et que nous ne puissions pas leur tendre la main, est une honte absolue. Donc je tiens vraiment ce soir, je ne doute pas que dans cette salle, nous partagions ces valeurs-là, mais je tiens à les rappeler, parce que c'est dans les périodes de crise qu'il faut se souvenir effectivement de ce que le mot solidarité veut dire. C'est pas quand tout va bien. Par ailleurs, je ne sais pas si on aura à en parler, mais les réponses qui sont en train d'être portées par des civilisations dites justement civilisées ne lassent pas de m'inquiéter. Je ne suis pas non plus dans la démagogie, on n'est pas en train de rentrer en dictature, les lois qui sont en train d'être prises ne sont pas des lois liberticides. Il y a eu trop dans l'histoire de lois vraiment liberticides pour qu'on n'aille pas trop dans l'excès des termes. En revanche, je serais. Évidemment, j'ai le plus grand respect pour lui en tant qu'avocat et en tant qu'être humain. Je marcherai dans les traces d'Henri Leclerc. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, c'est là aussi, hein, c'est à nous de montrer la grandeur et de notre capacité à répondre par la démocratie, par la tolérance, à des attaques contre la démocratie. Donc c'est par plus de démocratie qu'on répondra, et certainement pas par plus de sécurité ou d'arbitraire, ou alors on rentre dans des logiques qui sont dans des logiques guerrières, c'est un mot que je n'aime pas. Et si on veut rentrer dans les logiques guerrières, eh ben, on va faire le lien. Il n'y a qu'à regarder comment ça se passe en Israël. C'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est ce monde-là dans lequel nous voulons vivre? Un monde de loi du talion? Tu me tues, je te tue, tu m'en tues un, j'en tue 100 ou j'en tue 1000? C'est ce monde-là qu'on veut faire. On veut aller bombarder des hôpitaux, on veut aller bombarder des écoles, on va faire quoi? Donc la surenchère dans la violence. Sauf à rentrer dans une logique évidemment d'escalade, et elle n'aura pas de fin. Elle ne peut pas avoir de fin, ou alors on extermine tout le monde. Sinon, elle n'aura pas de fin, puisqu'à chaque fois qu'on tue, évidemment, on humilie et on recrée le. Enfin bon, pas non plus besoin de vous l'expliquer. La violence engendre la violence. Et donc, il faut trouver d'autres réponses, même si, hein, ne soyons pas naïfs, il y a là une volonté d'un certain nombre de terroristes de détruire, et qu'il faut lutter contre cela.
Mais simplement, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut certainement pas en faire un combat civilisationnel, parce qu'alors là, c'est la fin de nos valeurs. Et puis par ailleurs, il ne faut certainement pas répondre avec les mêmes armes que celles qui sont utilisées, c'est une évidence. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu aller en Palestine et en Israël, mais essentiellement en Palestine évidemment, pour parler de la question du partage de l'eau? Tout simplement parce que je suis extrêmement choqué, en tant que là, député européen, de voir qu'il y a un accord de coopération. On appelle ça un accord d'association, mais on s'en fout un peu des mots qu'il y a derrière. En gros, ce qu'on voit, c'est un accord privilégié entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et dans cet accord privilégié, qui bénéficie de droits de douane préférentiels, etc., etc., et donc d'un libre-échange beaucoup plus vaste et beaucoup plus large entre Israël et l'Union européenne qu'avec des pays tiers, il y a une clause comme dans toutes les conventions qui sont faites pour le compte et par l'Union européenne, dans ces accords commerciaux, il y a des articles qui sont liés directement au respect des droits de l'homme, des droits humains. Et je suis absolument stupéfait de voir que, pour une raison, pour des raisons qui sont multiples, certains ont certainement difficile à trouver, d'autres plus simples, mais pour des raisons absolument incroyables, Israël peut, en toute impunité, violer le droit international et n'avoir aucune sanction à cet égard. C'est une injustice absolue. C'est une injustice absolue. Nous avons un État qui occupe depuis 1967 de manière claire, non contestée, des territoires qui ne sont pas les siens, que la communauté internationale condamne de manière unanime, que l'ONU a condamné, que l'ensemble des États, quasiment membres de l'Union européenne, je pense sans exception, ont condamné cette occupation. Et pour autant, rien ne se passe. Je ne sais pas, quand Vladimir Poutine, qui n'est pas un enfant de cœur, mais enfin Netanyahou non plus, et avant lui Sharon et d'autres, vient en Crimée, directement ou indirectement, l'Union européenne met globalement un mois, à sanctionner aussi poutinienne, mais elle pourrait être autre chose, mais alors l'État est poutinienne. Donc cette Russie est sanctionnée et les produits qui viennent de Crimée sont immédiatement soumis à un embargo de la part de l'Union européenne. Tiens, c'est bizarre. Ça vous rappelle rien, ça? Un territoire occupé illégalement par un pays reconnu par la communauté internationale, bah, les produits qui viennent de ce territoire-là, hop, on les met sous embargo. Un mois. Israël, 67. Et les territoires occupés, non seulement ils sont occupés, militairement, etc., etc., mais, et vous le savez aussi, ils sont colonisés. Et donc il y a un développement économique qui se fait à l'intérieur de ces territoires. Et ce que nous demandions, et ce que nous demandons, et ce que je continue à demander, on va rentrer dans l'actualité, puisque ça a quand même un peu bougé sur ces questions-là, grâce à l'Europe, et c'est tant mieux, c'est que on puisse traiter de manière juridique une situation de droit. L'Union européenne est un État de droit, Israël fait partie de la communauté internationale, l'occupation est illégale, les produits qui viennent et qui sont le fruit de cette occupation et de la colonisation devraient être tout simplement considérés comme illégaux. Là aussi, c'est pas très compliqué. En tout cas, on devrait, à tout le moins, faire en sorte qu'ils ne bénéficient pas de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Dans l'absolu, que l'Union européenne et Israël, qui est un État reconnu, bénéficient d'un accord, ça ne me pose évidemment aucun problème. On a des accords avec tout un tas de pays sur la planète. La question, elle n'est pas là. La question est, est-ce que les produits qui sont issus
d'une partie colonisée de la planète, c'est-à-dire une partie qui n'appartient pas, en regard du droit international, à Israël, doivent bénéficier des mêmes protections que les produits qui viennent d'Israël. C'est une question simple. C'est une question purement juridique de droit international. Et la réponse, un gamin de 5 ans pourrait la trouver. Ben non, c'est pas normal. Et donc, ce qu'on essaye de porter au Parlement européen, effectivement, c'est que ça ne soit pas normal. Et je termine sur ce point-là, et après on va aller sur l'eau. Ce que l'on sait depuis des années, c'est que l'Union européenne avait décidé que les produits issus des colonies devaient être étiquetés et identifiés. Et ça, c'est en gros une décision des conseils des ministres, je crois, de 2012, des affaires étrangères. Et nous n'arrivions pas à la mettre en pratique. Et donc ça a bougé. La semaine dernière, puisqu'il y a effectivement eu donc l'Union européenne qui a imposé, enfin, de manière claire, l'étiquetage de tous les produits qui viennent des colonies. Alors, vous connaissez la jurisprudence de la Cour de cassation qui vient d'être tombée en expliquant que le boycott dans le cadre de BDS et d'autres serait illégal au regard du droit français. S'il y a bien quelque chose qui n'est pas illégal, en tout cas, c'est le fait de ne pas les acheter, les produits, une fois qu'ils seront étiquetés. Et donc, il est très important que vous puissiez savoir, quand vous achetez des produits qui proviennent d'Israël, à tout le moins si ces produits viennent ou ne viennent pas des colonies. Et puis déjà, c'est une première étape, parce que en conscience, vous pourrez ou pas décider d'acheter ces produits-là. Je laisse votre conscience arbitrer, pour la mienne, elle est claire. Je n'achèterai pas des produits issus des colonies, c'est clair, c'est net, et c'est pour moi non négociable. Ces colonies sont illégales, les conditions dans lesquelles ces produits sont produits, sont récoltés, puisque ce sont des produits agricoles, sont absolument scandaleuses en regard des droits humains. Et là, maintenant, on va parler de la question de l'eau et de la question des travailleurs. Donc, je n'ai aucune raison personnelle, et qu'on vienne m'expliquer que c'est illégal, je n'ai aucune raison personnelle, au contraire, j'en ai beaucoup, de ne pas acheter ces produits. Donc, cette première étape, elle a été obtenue, et c'est une vraie avancée de la part de l'Union européenne. Et on voit très bien d'ailleurs le lever de bouclier en Israël, notamment de la droite, bien sûr, mais pas que. Donc ça prouve que c'est une mesure qui ennuie le gouvernement israélien. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une bonne nouvelle. Vu la manière dont il se comporte, je ne vais pas non plus me plaindre quand le gouvernement israélien considère que la communauté internationale essaye d'agir pour que les choses changent. D'ailleurs, c'est la communauté internationale qui doit agir, parce qu'en Israël, ça devient quasiment impossible de faire bouger les lignes. Et ça devient impossible tout simplement parce que Netanyahou a une majorité... Je ne fais même pas de procès d'intention à Netanyahou. Imaginons que cet homme ait envie de faire la paix. Imaginons. Touché par la grâce, c'est pas... ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a des chefs de guerre. Enfin, lui, il est un chef de guerre. C'est d'ailleurs, c'est oui, on ne sait jamais. Non, mais même, on a vu quelqu'un comme Rabin, qui était un ancien chef de guerre. On a vu des militaires tout d'un coup en avoir marre de la guerre et vouloir passer dans une logique de paix. C'est souvent les anciens militaires qui peuvent faire de vrais pacifistes. Parce que, bah, mais Netanyahou, il n'a pas cette culture-là. C'est un politicien. Alors lui, pour le coup, c'est un vrai politicien au sens. Et Netanyahou a une majorité d'une voix à la Knesset. Et donc, en fait, son gouvernement et son pouvoir ne tient qu'aux minoritaires de son gouvernement. Et dans les minoritaires, vous avez l'extrême droite et vous avez les colons, les représentants des colons. Donc, ne vous faites et ne nous faisons aucune illusion sur la capacité de réforme en interne de la société politique israélienne, même si il y a au sein de la population israélienne une grosse part de la population qui souhaite en terminer avec les logiques d'escalade de la guerre, etc. Le monde n'est pas binaire, il n'y a pas d'un côté les gentils palestiniens et que les palestiniens, et de l'autre côté les méchants israéliens et que des... C'est pas vrai. Le monde n'est pas aussi simple. Mais globalement,
tous ceux qui défendent la paix, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, disent tous sans exception, si l'Union européenne, si la communauté internationale ne met pas une très grosse pression sur l'État d'Israël, sur son gouvernement, rien ne se passera, parce que Netanyahou est l'otage, entre guillemets, je mets évidemment l'otage, le terme otage au sens que vous imaginez, au sens relatif, mais il est en tout cas dépendant, directement dépendant, du pouvoir des colons, dont on sait d'ailleurs qu'ils se radicalisent de plus en plus. Donc là, il n'y a rien à attendre. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous bougions. Quand je dis il n'y a rien à attendre, ça ne veut pas dire que le processus de paix est irrévocablement fermé, non. Simplement, il ne peut reprendre et il ne peut vraiment être actif qu'à partir du moment où nous, mais au-delà, évidemment, les régions, les villes, les pays et l'Union européenne, parce que les États-Unis, c'est plus compliqué, bougent pour faire en sorte qu'il y ait des pressions. Donc c'est important, hein, parce qu'ils ont énormément besoin de nous et ils ont une grande souffrance, indépendamment de la souffrance qui est évidemment la leur depuis des années, c'est qu'on ne parle plus quasiment du conflit israélo-palestinien en ce moment dans les médias, tout simplement parce que d'autres guerres, d'autres morts, d'autres souffrances sont remplacées, qu'on est dans une période où tous les événements doivent, il faut tout le temps changer d'actualité. Et c'est vrai que la question syrienne, la question irakienne, la question afghane, la question pakistanaise, etc., etc., a fait que les Palestiniens sont en train de crever un peu tout seuls. Il faut aussi dire la vérité, et il faut utiliser les mots forts, parce que leur souffrance est forte. Et ils sont très très contents, évidemment, quand on fait des délégations, quand on vient les voir, quand on parle d'eux. Tout est... J'ai reçu, moi, une lettre merveilleuse de Gaza, justement, après les attentats, d'une personne que j'ai rencontrée cet été dans le cadre de la délégation. Ils ont besoin de nous. Ils veulent montrer leur solidarité et ils souhaitent que nous continuions à montrer la nôtre. Et donc, évidemment, là, le travail de la FPS est primordial, il est majeur. Parce que c'est faire en sorte, et c'est pour ça que j'ai répondu à votre invitation et que je répondrai à toutes les invitations qui me sont faites, c'est de faire en sorte qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas à nous, eh ben ils vont tout simplement se retrouver abandonnés, isolés. Et là, c'est très très compliqué. Enfin, vous savez très bien que quand on résiste à une oppression, quelle qu'elle soit, le fait de savoir qu'il y a des gens qui vous regardent et qui sont prêts à vous soutenir, ben c'est un bol d'oxygène. C'est une manière aussi de dire, bon ben, voilà, il y a des gens qui sont avec nous, on n'est pas tout seul. Donc la question de l'eau m'est venue, moi, comme un sujet. À chaque fois que vous abordez un débat au Parlement européen, et évidemment il a été abordé l'été dernier de manière très très tendue, puisqu'il y a eu les bombardements sur Gaza, il y a eu les 2000 morts, etc., il est toujours abordé sous l'angle de la question de la sécurité et de la guerre. Il est toujours abordé, le conflit, d'abord, on parle toujours du conflit israélo-palestinien, hein, on parle pas de la problématique, on parle toujours du conflit, et à chaque fois que l'on essaye d'aborder la question, on vient nous sortir la sécurité d'Israël. C'est la sécurité d'Israël qui est en cause, donc oui, on bombarde des hôpitaux, mais c'est parce que ces hôpitaux servent de, etc., etc., etc. Et à chaque fois que vous essayez de dire, mais il n'y a pas vraiment d'armée en face, il n'y a pas... Oui, mais il y a les roquettes, elles touchent les civils, et donc vous comprenez, oui. Moi, je comprends. Je comprends qu'on puisse utiliser l'argument sécuritaire. En revanche, je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir entre l'argument sécuritaire et le fait de priver des populations civiles de l'eau. Je ne vois pas le rapport. Et donc, la question, moi j'en ai vraiment assez que à chaque fois on m'oppose et on continue à m'expliquer « oui mais il y a les roquettes, oui mais c'est pas mon problème ». Mon problème c'est que l'accord entre Israël et l'Union européenne dit que, article 2, on peut le suspendre en cas de violation des droits humains par une des deux parties. L'Union européenne à ce stade peut violer les droits humains, mais enfin bon... Pas de la même manière, et en tout cas pas de manière délibérée comme ça. Mais Israël, clairement, porte atteinte aux droits humains sur la question de l'eau.
quand vous voyez que à Gaza, on peut considérer que à peu près 10% de l'eau, je dis bien 10% de l'eau, est potable, et que 85 à 90% de l'eau est non potable, et que c'est pourtant avec cette eau-là qu'il faut vivre. Parce que les quantités d'eau sont évidemment, dans cette région-là, on n'est pas dans des pays où il y a énormément d'eau. Encore que Gaza, il y a plus d'eau qu'en Cisjordanie. Mais quand même, quand vous avez 85-90% de l'eau qui est polluée, comment voulez-vous faire? Vous ne pouvez pas vous en servir de manière normale. Et par ailleurs, quand vous vous en servez, parce que vous êtes à la fin obligé de vous en servir, évidemment, ça entraîne tout un tas de maladies. Ça entraîne tout un tas de maladies qui, de fait, en plus, ne peuvent pas être soignés, parce que les hôpitaux, les infrastructures sont détruites, etc., etc., et qu'il y a un blocus qui fait qu'on n'a pas le droit de reconstruire, que lorsqu'on reconstruit, c'est fait avec des années et des années de retard, qu'au demeurant, c'est l'Union européenne qui finance, qu'au demeurant également, c'est Israël qui détruit par ses bombardements, et qu'in fine, ce sont des entreprises israéliennes qui reconstruisent, parce que les entreprises palestiniennes ne peuvent pas pour des raisons de sécurité. Donc quand bien même, à la fin, on laisse reconstruire, ce ne sont pas les populations palestiniennes ni les entreprises palestiniennes qui vont récupérer. C'est d'ailleurs une autre question que l'on pose, c'est savoir pourquoi Israël n'est jamais condamné sur les dommages de guerre. Parce qu'ils détruisent des infrastructures civiles que l'Union européenne a financées, pour une part, une grande part, et hop, on recommence à financer derrière, puis ils redétruisent, puis on recommence. Ça peut durer longtemps, si c'est parce que là, il n'y a pas de sanctions. Non seulement il n'y a pas de sanctions, mais je veux dire, c'est même pire. Il y a un profit qui se fait sur la destruction. C'est pas là non plus, ça ne peut pas être juste. Ça n'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc sur la question de l'eau à Gaza, je vous l'ai dit, c'est une situation sanitaire qui est une situation absolument dramatique. Dramatique. Et avec évidemment à terme une augmentation très forte des mortalités et des maladies, c'est clair. Mais on pourrait presque dire qu'à Gaza, c'est la conséquence du blocus. C'est quelque chose qui est la conséquence d'un acte de guerre. En Cisjordanie, sur un plan moral, c'est peut-être encore pire. Parce que là, ce n'est même pas la conséquence d'une guerre, c'est un acte délibéré. Délibéré. On a une quantité d'eau qui est relativement faible. Je l'ai dit, on est dans des zones les plus désertiques de la planète. Mais il y a l'eau quand même. Enfin, il y en avait. Parce qu'il y en a de moins en moins, exactement. Et cette eau, volontairement, l'autorité d'occupation va l'affecter à une partie de la population contre l'autre. Elle va affecter, en gros, sur des rapports qui peuvent, en moyenne en Cisjordanie, le rapport il est de 1 à 4, à peu près. 1 à 4, 1 à 5. Mais ça peut monter dans certaines colonies de 1 à 17. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des villages palestiniens qui vont parfois avoir de l'eau une heure par jour. Alors qu'à 1 km de là, mais à vol d'oiseau, et puis vous montez, vous savez, il y a des collines, et donc vous voyez, donc là, en face de vous, vous avez des colonies dans lesquelles vous avez quasiment des piscines, j'exagère, à peine. Vous avez des arbres, vous avez des jardins, vous avez... Donc on vous humilie au quotidien, parce qu'on vous montre du doigt dans une région totalement pauvre. C'est jamais facile, hein, la pauvreté et la misère, évidemment vous le savez. Mais là, c'est pas ça. C'est que l'eau, elle existe. Vous, vous n'y avez pas droit. Mais celui qui est en face, parce que lui n'est pas né comme vous, palestinien, parce que lui est force coloniale et d'occupation et pas occupé et colonisé, lui, il a droit à l'eau. Et il a droit à l'eau pour quoi faire? Il a droit à l'eau pour s'enrichir là aussi sur des cultures d'exportation. On en parlait tout à l'heure quand on venait, mais quand vous remontez la vallée du Jourdain, vous voyez cette espèce de exactement, on a le même sentiment, vous avez le désert d'un côté, c'est comme dans Lucky Luke, quand vous passez, hop, d'un côté il y a le sable, et ben, c'est exactement ça, d'un côté c'est le désert, avec les villages palestiniens, et de l'autre côté vous avez des champs palmerés à l'infini,
Donc en plus, avec toutes les conséquences écologiques que ça entraîne, hein, c'est une culture de pure exportation, d'où d'ailleurs hein, la nécessité de bien identifier ces cultures-là. Mais donc ça n'est absolument pas de l'agriculture vivrière. Ça ne profite absolument pas aux populations. Par ailleurs, même pour le salariat, c'est très compliqué, puisque pour des raisons de peur et de risque terroriste, en règle générale, on fait travailler les enfants, parce que ça, on considère que les enfants ne sont pas encore des terroristes, ils le seront peut-être à terme, mais en tout cas, ils ne le sont pas encore. Donc il y a l'exploitation des enfants dans les colonies, on a eu énormément d'ONG qui en ont témoigné, et même si c'est contesté, mais moi en tout cas j'ai eu des témoignages très clairs et récurrents sur ces questions-là, et puis on essaye de ne pas faire profiter les populations locales de ces produits-là. Mais sur la question donc, de l'eau, vous avez parfois, je l'ai dit, 1 km. Donc le fait que le tuyau ne soit pas mis là en place, c'est évidemment une volonté. C'est rien du tout de rajouter 1 km de tuyau. C'est donc une volonté claire pour faire en sorte que les Palestiniens ne bénéficient pas de cette eau. Et pourquoi ? Pour qu'ils s'en aillent. Tout simplement pour qu'ils s'en aillent. C'est-à-dire, c'est une manière inhumaine, je répète, parce que priver les gens d'eau, imaginez, alors, quand vous êtes en bonne santé, déjà, vous avez besoin d'eau, et quand vous êtes malade, quand vous commencez, quand vous avez des bébés, quand vous avez des personnes âgées, quand vous avez tout un tas de gens qui sont dans des situations de précarité, de faiblesse, ils ont besoin d'eau. C'est un élément vital. Je parle même pas des cultures qui peuvent lui être faites. On va me dire, les Palestiniens, ils cultivaient, peut-être, mais ils en vivaient, leur culture. Donc, le grand argument qui consiste à dire, oui, mais nous, les colons, nous avons développé, bien sûr, avec l'argent et les financements qu'ils ont, etc., donnez-les même aux Palestiniens, c'est bizarre, mais je suis sûr qu'ils vont arriver aussi à cultiver. Donnez-leur l'eau, donnez-leur les financements, donnez-leur les machines qui sont apportées, etc., et ils y arriveront, il n'y a pas de problème. On a des villages qui sont privés d'eau, qui sont privés de travail, et on a une peine complémentaire. Parce que vous me direz, ils n'ont que un dixième de l'eau. Ouais, mais le dixième d'eau qu'ils ont, en plus, ils le payent 6 ou 7 fois le prix de l'eau israélienne. Parce que cette eau, elle arrive dans des camions. Et les camions, d'abord des sociétés israéliennes, pas non plus. Hein, et cette eau, elle est plus chère, mais elle est beaucoup plus cher. Et alors, parfois, ça se comprend sur ça, parce que c'est vrai que ce sont des villages qui sont... comme les infrastructures sont, pour l'essentiel, détruites, puisqu'on n'a plus le droit de construire dans la zone C, donc on n'a pas le droit d'entretenir, on n'a le droit de rien du tout, c'est vrai que parfois, ça devient difficile d'accéder. En plus, vous rajouterez que pour les Palestiniens, pour tous ceux qui sont allés là-bas, enfin ceux qui n'y sont pas allés, je ne sais pas, vous n'avez certainement pas tous ou toute l'occasion d'aller en Palestine, vous avez... Une logique d'apartheid de route. C'est-à-dire, tout un tas de routes vous sont interdites, selon votre nationalité. Et donc, les Israéliens, pour aller d'un point A à un point B, peuvent le faire en 1 km, alors que le Palestinien, pour aller du même point A au même point B, comme il y a des routes qui lui sont interdites, il va mettre 5, 10, parfois 15 km. C'est exactement le même point de départ et le même point d'arrivée, sauf que vous ne pouvez pas prendre les mêmes trajets. Donc en plus, l'eau, c'est parfois très compliqué. Donc, double peine. Vous manquez d'eau, et l'eau qui vous est amenée est beaucoup plus chère. Et puis, triple peine, les puits. Parce qu'il y avait, et il y a encore des puits. Malheureusement, et là aussi, hein, on a vu la même chose, donc si c'était que moi, on pourrait dire que j'affabule, mais les puits sont souvent empoisonnés. Volontairement empoisonnés. Par représailles, parfois. Moi, j'ai visité un village où, dans le puits, l'armée avait concassé, parce que les autorités civiles en Cisjordanie, c'est l'armée. Hein, c'est comme Orwell, la guerre, c'est la paix, tout ça. C'est donc là-bas, les autorités civiles qui gèrent, ce sont deux généraux à la tête de l'autorité civile. Et donc, l'armée, dans le village, avait fait rouiller, enfin concassé, et fait rouiller une voiture dans le puits. Donc, évidemment, l'eau devient inutilisable. Et il y a évidemment d'autres humiliations qui sont faites au quotidien, mais
La question du partage de l'eau est une question, là, pour le coup, vitale. Et petit à petit, les gens quittent les villages, tout simplement parce qu'on ne peut pas y vivre. On ne peut plus, c'est même plus de la survie. Et donc, ceux qui restent sont vraiment des résistants au sens réel du terme, c'est-à-dire ils résistent à cette oppression qui leur est faite, à cette humiliation de voir des gens bénéficier de l'eau, des gens qui occupent leur terre et qui en plus leur volent l'eau. Donc, mais les eaux usées ne sont pas traitées alors qu'ils doivent verser des redevances, les redevances sont perçues, Israël ne reverse pas à l'autorité palestinienne. Quand la fameuse, le comité de l'eau dont on a parlé tout à l'heure, il y a une proposition qui avait été faite il y a plus d'une dizaine d'années d'une station d'épuration qui a été faite par l'autorité palestinienne, elle a été systématiquement refusée donc par l'autorité israélienne qui finalement a proposé un autre emplacement qui est ingérable. Donc cela, ces Palestiniens ont dit on ne le fait, on ne peut pas le faire là. Et après, vous avez effectivement un gouvernement qui vient dire « Mais regardez, les Palestiniens ont une eau dégueulasse, ils ne savent pas, ils ne veulent pas la traiter. » Et ils l'envoient chez nous, parce que quand Israël reçoit de l'eau polluée, il prend une taxe pour dépolluer l'eau, puisque évidemment l'eau polluée arrive des territoires palestiniens occupés. Enfin, c'est un cercle abominable, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. En fait, tout ce qui est fait à un moment ou à un autre pour un partage équitable de l'eau est bloqué par les autorités militaires ou par les colons, y compris la quantité d'eau, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ils sont globalement sur celle qui était répartie à peu près sur les accords d'Oslo, sauf que la population depuis, évidemment, a cru de manière considérable. Et donc, on a de l'eau qui est évidemment en quantité insuffisante, même en regard de ce qui avait été prévu à Oslo. Simplement pour vous dire que moi je ne désespère pas d'arriver. Parfois on me demande, et c'est un peu, c'est pas un reproche, hein, quand on connaît mes positions, c'est pas un reproche, mais parfois il m'a été dit, notamment quand j'étais passé sur France Inter à mon retour donc de ce déplacement, il faut être plus agressif, entre guillemets, sur la situation qui est faite aux Palestiniens, etc. Je crois que le temps, là, maintenant, nous pouvons peut-être entrer dans un temps où nous ferons des majorités. Moi, il se trouve que pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir la suspension ou la révision de l'accord entre l'Union européenne et la Palestine, j'ai besoin d'une majorité au Parlement européen. Et que ce ne sont pas les écologistes ou la GUE, c'est-à-dire la gauche de la gauche, qui depuis toujours défendent. Encore que pour les écologistes, il y a une division et... Bon. Enfin, on va dire que pour l'essentiel, il n'y a aucune difficulté. Pour les écologistes français, il n'y en a pas non plus. Mais quelques écologistes, notamment allemands, ont une vision... En Allemagne, il y a un problème avec la question israélo-palestinienne. Mais donc... Oui, exactement, la culpabilité. Enfin, il faut les choses telles qu'elles sont. L'Allemagne a un rapport à Israël qui est un rapport qui est irrationnel, en réalité. Et l'Allemagne, qui est un pays démocratique, va accepter d'Israël ce qu'elle n'accepterait d'aucun pays sur la planète. C'est-à-dire qu'Israël a une sorte de blanc-seing de la communauté internationale pour pouvoir violer les règles. C'est absolument incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on touche à cette question, justement, d'Israël, on en arrive immédiatement, je reviens, à la question de la sécurité, à la question de la survie, à la question de... Et c'est impossible d'en parler de manière rationnelle. Donc justement, sur la question de l'eau, on doit pouvoir arriver à faire une majorité. Parce qu'il y a au Parlement des chrétiens sociaux, il y a des chrétiens démocrates qui ne trouvent pas normal que l'on prive un enfant délibérément de l'eau. Et donc, si on arrive petit à petit à faire des majorités là-dessus, et donc pour ça, il faut aussi qu'on ait un discours qui soit un discours qui se limite à ces questions-là et qui soit moins polémique, même si je ne crois pas renoncer à un certain nombre des mots que je porte à l'égard de l'occupation israélienne, je crois qu'il faut qu'on arrive maintenant à construire un discours qui soit un discours fort sur cette question de l'eau, notamment, mais il y en a d'autres, mais sur les questions des déchets, c'est plus compliqué. L'eau, ça touche vraiment, ça parle aux gens.
Ça parle à beaucoup de gens, la question de l'eau. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment, en tout cas moi je continuerai à le porter au Parlement européen, faire un vrai focus sur cette question de l'eau et de dire là nous avons une vraie atteinte aux droits humains. Donc tant qu'Israël ne réglera pas et n'acceptera pas de régler de manière juste et équitable la problématique de l'eau, notamment sur la Cisjordanie et sur Gaza, je pense qu'il faut que nous continuions à demander. On demande la suspension ou la révision, ça dépend un peu, j'en parlais avec le Yarik. J'aime bien le terme de révision, c'est-à-dire qu'on essaye de, si ce n'est d'arrêter, du moins, de réviser l'accord. Sur la question de l'eau, pour le moment, j'ai rien obtenu. Sur la question de la révision de l'accord, on a été deux à prendre la parole là-dessus, c'est Patrick Le Yarik du Parti communiste, enfin de la GUE, et directeur de l'UMAR, et moi-même. À demander. Vous savez, sur 750, ça fait pas beaucoup. Hein. Donc, vous dire d'où on part. Vous dire d'où on part. Bon, on se tient bien les coudes, hein. Avec Patrick, on se tient bien, donc ça va, mais enfin, bah. Moi, en tant que militant palestinien, pro-palestinien, j'ai toujours tendance à dire que, finalement, c'est minable. De se contenter, par exemple, de l'étiquetage de produits issus des colonies, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est que rien de ce qui sort des colonies ne soit commercialisé. Que rien de ce qui est de ce qui est produit par Israël ne puisse bénéficier de nos financements de l'Union européenne qui sont pour une part affectés à la recherche, par exemple. Pour une part. Et dans cette recherche, on sait qu'il y a une part militaire, vraisemblablement. Donc tout ça, à titre personnel, évidemment, je suis totalement contre ça. Et j'aimerais que ça cesse, j'aimerais que ça s'arrête. Mais je ne peux pas être plus pro-palestinien que les Palestiniens eux-mêmes. Nous, ce qu'ils nous demandent, les Palestiniens, en tout cas en tant que député européen, moi, ce qu'ils me demandent, et même largement ce qu'ils demandent aux militants de la cause palestinienne, c'est faites en sorte qu'on parle, même un peu, mais faites... Par exemple, ils ont défendu, j'ai été très surpris, quand j'ai rencontré l'autorité palestinienne à Ramallah, ils étaient très 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 favorables au plan Fabius. Le plan Fabius, tel que lui l'avait présenté, c'était d'essayer, dans le contexte actuel, c'est-à-dire sans rien modifier au contexte actuel, de remettre autour de la table le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne sur la base où elle s'était arrêtée sur la fin des accords d'Oslo. Et c'est donc en fait de ne rien faire. Notamment contre Israël, et de ne pas forcer Israël à revenir à la table des négociations avec quand même une pression internationale. C'est en gros, c'est de mettre au même niveau, je l'ai dit tout à l'heure, le bourreau et les victimes, c'est un peu ça. Et c'est vrai que moi, ça m'apparaissait là aussi inique, injuste, et j'aurais aimé que l'Union européenne puisse prendre des sanctions, de vraies sanctions, pour amener Israël à la table des négociations. Bon, voilà. Puisque la France s'était engagée que si les discussions étaient un échec au bout d'un an, la France reconnaîtrait l'État palestinien. C'est ce qu'avait dit Fabius. Je crois que c'est ce point-là qui a accroché du côté des Palestiniens, c'est d'avoir la reconnaissance bilatérale. Ils y tiennent beaucoup à la reconnaissance bilatérale, parce que d'un seul coup, la Palestine devient un territoire, un État, pardon, sous occupation militaire étrangère, au sens de la légalité française. Et ça, c'est un point intéressant. On a toujours défendu deux États, donc on continue à défendre deux États. Voilà. Et deux États, sans évidemment intégrer la notion que Netanyahou est le fameux État juif. Parce qu'on sait très bien que l'État juif, tel qu'il est entendu actuellement, c'est encore des millions de personnes déplacées, etc. Donc cette condition posée de deux États, dont un État juif, est évidemment quelque chose que moi... je refuse. J'ai d'ailleurs refusé de signer la résolution au Parlement européen, pourtant qui portait des avancées, parce que la droite a fait rajouter la question de l'État juif. Donc j'ai dit, je ne signerai jamais une résolution dans laquelle on défend la création d'un État juif. Voilà, je suis profondément laïque. Et par ailleurs, je peux imaginer, là aussi, pourquoi pas créer un État qui serait à vocation religieuse. C'est pas moi qui le défendrai. Mais si c'est le cas, ça aura d'abord été traité avec les minorités religieuses et on ne leur imposera pas. C'est-à-dire que si les musulmans, c'est pareil, si par exemple la liste des Arabes Unis que j'ai rencontrés à la Knesset me disent « Non, mais on est OK,
Bon, là, c'est pareil, s'ils le sont OK, je ne vais pas dire, ben, ben, attendez, moi, je suis contre. Mais pour le moment, je ne les ai pas entendus dire qu'ils étaient OK là-dessus. Les deux États, mais c'est quelque chose qu'il faut encore le viser. Mais c'est très, très dur, hein. Enfin, il suffit d'aller à Jérusalem pour voir les politiques de colonisation dans les villes, enfin, dans la ville. Et puis, les murs, et, enfin, tout ça rend un État de moins en moins viable. Et puis, les colons qui sont surarmés, qui sont surfinancés, surentraînés, c'est vrai que ça paraît difficile. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, mais ça paraît difficile. Voilà, donc le plan Fabius, hein, c'est honnêtement, c'est rien. C'est dire, il faut se reparler, quoi. Le député européen, il vous dit, toi, tous les jours, je crois qu'il n'y a pas une session, d'ailleurs on se fout de ma gueule à chaque fois, notamment mes copains écolos, en disant, tiens, on va faire encore un truc sur la Palestine. Il n'y a pas une session où je n'essaye pas de poser d'une manière ou d'une autre la question palestinienne et de la remettre dans le débat. Voilà. Après, voilà, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Si vous me demandez si je suis satisfait, en revanche, je vous dis clairement non. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir, et puis vous demander, encore une fois, je l'ai dit à titre liminaire, je le dis en conclusion, surtout, n'abandonnez pas le peuple palestinien, il a besoin de nous, il a besoin de vous, et il est dans une situation, avec le gouvernement actuellement, au pouvoir en Israël, qui est absolument dramatique. Voilà, merci.